signe de puissance. Le dragon, selon l'astrologie asiatique, apporte la pluie, indispensable à la culture du riz. Harmonie et richesse pour l'année à venir. Mais pour les Vietnamiens de France, le nouvel an, c'est avant tout les retrouvailles d'une communauté. C'est une occasion unique de l'année pour que nos enfants puissent se souvenir de notre pays natal, le Vietnam. C'est très important. Surtout, notre jeune génération, nos petits-enfants ne parlent plus le vietnamien. Vo Ly Cong est arrivé en France il y a 4 ans. À 60 ans, difficile de s'intégrer, de trouver du travail. Le nouvel an pour lui, c'est la fête du souvenir. Je suis heureux de vivre ici le nouvel an avec mes compatriotes, mais un peu triste aussi d'être loin du Vietnam. J'espère que l'année du dragon apportera plus d'indépendance à mon pays pour que je puisse y rentrer. En cuisine, un repas de fête, toutes les spécialités préparées depuis des semaines. Pour les 43 000 Vietnamiens installés en France, la nourriture fait partie des traditions. Et même au fourneau, on pense au pays. Chez moi, par exemple, ma maman, elle prépare les repas, elle prépare une semaine d'avant. Pour que pendant 3 jours, le premier an, vous ne faites rien. Vous avez des amis qui viennent vous voir pour vous souhaiter bonne année. Vous lui servez l'apéritif, tous les vins, tout est prêt. Vous servez à manger, tout est prêt, et vous jouez à la carte, vous faites que ça.